Il y a de cela 3 jours, j'ai vu ça vers 4h du matin. Il y a évêque Pascal Mukuna. Oui, je lui ai vu évêque Pascal Mukuna à sali accident grave dans le Jeep. Le couloir, il y a droite et Boukani et Makila. Et la communauté, il y a ce cas, désordre total. Il y a des perturbations, il y a des désordres dans la communauté. Et Dieu est en train de parler. Il y a bango, il y a prendre des précautions et il y a se repentir. Sinon, ceux qui vont se repentir, Dieu va passer dans la vitesse supérieure. Dieu m'a parlé dans voix audible. J'ai écouté la voix de Dieu. Zamba Joep Sangana Lubi, il y a mis ça comédien. Liwa est frappé bango sérieusement. Pourquoi? Parce que vie bazo mené et au pays sans âme. Quand là, Zambé a joué don à Tcheli Kolona bango. Et bango a joué don à na pressé, na convoitise. Na makambo ba plaisir ya mokili oyo ba ke ko simba biloko bazo pratiquer immoralité sexuelle Satan envoyé bango puissance moko diabolique bazo pratiquer makama mabende yango zo mona ba liwa eza ebele kuna et puis jalousie côté li bango na bango bazo ko arriver à se maîtriser te pourquoi parce que ba menaka vie ya malamu te biso zo ba sala ensemble biso to ko mona ba touté bazo kene faire la perdition et tozo tala ndengwa na non et Dieu aussi voit souhait ensemble ezali ba tuba za malamu. Que tout le monde n'est pas appelé à bâtir un ministère. Aujourd'hui, papa Jérémy, Batunyon surtout basan a ba potentialité, na ba don. Mais Mutunyon surtout a za appelé te ya ko ke no fumolelo ko quelque part a banu ko ben a batu. A za na ba capacité wana te. Ne ngozo mo na ba kofiolo mide bazo profiter na eloko wana. Jo na mona gipona e, na mona ke na kata sen. Azo beta musique na musique silité ya bimia ke ba misé ba tikali public et tikali. Cela veut dire quoi? Il risque de finir comme papa Wemba. Kofi. Oui, il risque de finir comme papa en plein scène et il va finir très mal. Liwa est au côté de la bino, mais bango ba mona le quoi maseki. Et ça va continuer. Oh, ça va continuer. Ceux qui va se repentir té, ba luki nzambe ya solo té, la mort va continuer na milieu na bango papa Jérémy. Ah papa. Oui, ça va continuer. Ça va continuer. Et qu'on continue. Nzambe azo benga bango la repentance ba lokelongi na Nzambe. Congo ce n'est pas n'importe quel pays. Comment ba kofelo mide bazo profiter bazo kota na kati pona bato ba yé ba outi ba yé ko s'infiltrer na ba magicien ba collaborateur même ya bango ya ba kofelo mide ba s'infiltrer et lui il prend le courage de dire ça ba kanga b'église. Pourquoi? Parce que bango baza na mission ya ko bébi sa mboka ya ko bébi sa jeunesse ya ko détruire ba kam na Nzambe. Oui, il prend ce courage-là. Pourquoi? Parce que raisonner, il confie le azo le balobi que ce qui m'aide kalamba na mouisi mbi ba koti lo la yepe fakote. Pourquoi? Parce que ayebi que ce sont des batouya même maison. Nde azo soit courage wana ke ba kang église. Sans ce Satan a attaqué kana au monde pour na ko bébi sa ba famille, ko bébi sa ba nation, ko détruire ba destin à batou. On remarque na kati ezana idolâtrie, immoralité sexuelle. Ils ont la sorcellerie et pour ils ont l'esprit de religion. Alors, pour nous, nous sommes là, nous sommes là, tout ça, ils ont une puissance où ils ont coopéré dans la sorcellerie. Nous avons pratiqué la sorcellerie inconsciemment, mais ils ont évité qu'ils soient sorciers. Nous sommes là, papa Jérémy. Alors, la puissance où Satan a largué, pourquoi? Pour nous pour qu'on détruise la nation, qu'on détruise la famille, qu'on pense, qu'on bébé ça. Nous sommes là, Satan. Il y a un moment, dans le dernier temps, quand nous sommes là, nous peuple est commis na moté mamabe makas. Donc, haine et mati. Voilà, bienvenue chez nous, mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs. Bon week-end, bon début de semaine. Ça dépend de l'heure, ça dépend des temps par lesquels vous nous regardez. Nous sommes là, mesdames et messieurs, encore une fois. Merci pour la confiance, c'est Jérémy Luemba. Les renards du désert est devant vous. J'ai le réel plaisir de recevoir pour vous l'homme de Dieu, le prophète Guylaine Zéhi, qui revient après un moment, je dirais, d'absence. Il est de retour. Bonjour, papa. Bonjour, papa Jérémy. Bonjour, Nabatounion, Soazol, Anabiso. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Voilà, te démarrer la prière, l'homme de Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, notre Père, te recommander moment Oyo entre tes bonnes mains, Père. Tika été parole au Ekobima Awa, émission au édifié peuple Nayo. Et nous qui vivons dans les lieux célestes en Jésus-Christ notre Seigneur, te demander puissance Nayo.
Et à travers le peuple, nous avons dit Saint-Esprit est à l'œuvre de Katina Bango. Comme nous vivons dans l'élève céleste en Jésus-Christ notre Seigneur, nous avons création mobimba et obéir à la moment où. Et nous avons dit que 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 Amen. Amen. Voilà, merci l'homme de Dieu. Nous sommes dans la joie. Alors, bonne d'abord santé. Santé, ça va, par la grâce de Dieu, mon biso. Vraiment, tout ça bien, papa Jérém. Alors, tout va éviter au gérant ministère. Biso, tout ça, le ministère, Église, corps de Christ pour la restauration des nations. Donc, c'est la mission que Dieu nous a donnée, de restaurer les nations. Pourquoi? Parce que chaque nation a une mission. Et notre nation, la République démocratique du Congo, a aussi sa mission. Et comme mission, on est exécutée. C'est pour cela que Dieu nous a envoyé pour restaurer la nation. Il y a pour rétablir le fondement, briser spirituellement et reconstruire le mur de Jérusalem. Aujourd'hui, c'est le mur de la République démocratique du Congo. Papa Jérém. Maintenant, la vision, ton mission, il faut la paix en collaboration avec le grand pasteur Mboka. Non, le grand pasteur, tout le monde est serviteur de Dieu. Ils ont grand pasteur, ils ont petit pasteur, nous sommes dans un corps de Christ. Partout dans le monde entier. Et c'est un corps formé, alors, dans le Congo, collaborer avec les hommes de Dieu pour être vigilants, appliquer pour être peuple congolais. Abika le boko na Zambe, abika prospérité et Afrique mobimba et la restauration à travers la République démocratique du Congo jusque même dans le monde entier. Donc eloko lobi, ce n'est pas mauvais de collaborer avec les hommes de Dieu, mais il y a aussi des problèmes. Il y a des infiltrés. Ah oui, hein? Oui, il y a ceux qui ne sont pas appelés par Dieu, c'est introduire na kati ya makambo et il y a aussi on a même lelo scandale les aibélé. Parce qu'il y a bateau, il y a bateau appelé et bateau côté en quatre macam. Donc Dieu nous a donné aussi ma capacité, ma potentialité en quatre ministère pour nous discerner par esprit. Et j'espère que dans les derniers jours parcourir, nous allons réussir cette mission par la grâce de Dieu. Voilà, merci beaucoup prophète Guilenzei. Mais comment est la mission, nous avons un rôle, nous avons joué. Oui. Mais t'as la bien vie bah congolais, papa jalousie à côté. Kindoki, haine, de comme même dans ma maladie à Kouboakila. Pour maintenant, PC, sida à Kouboakila, poison à Kouboakila, cancer à Kouboakila, niveau de comme le jalousie dans Mboka, haine ou wana. Aujourd'hui, on commence spirituellement. Ce qui est dans la Bible, dans Matthieu chapitre 24, verset 12, la Bible est détaillée puisque dans les derniers jours, l'iniquité va s'accroître. Et batoua mité ma malam ou mité me koko ma makasi. Pourquoi? Parce que la puissance du Satan est que ça répandit la potentialité à Makas. On remarque parmi les quatre puissances au Satan à attaquer dans le monde, pour que bébé sa famille, que bébé sa nation, que détruit le destin à Batou. On remarque dans quatre, ils ont l'idolâtrie, l'immoralité sexuelle, ils ont la sorcellerie et puis ils ont l'esprit de religion. Alors, pour que nous soyons Batou, tout ça, ils ont la puissance où ils ont coopéré dans la sorcellerie. Moussous Azawana a pratiqué sorcellerie inconsciemment, mais a évité qu'Aza sorcier. Au second papa Jérémy. Alors, la puissance de Satan, pourquoi? Pour qu'on détruise la nation, qu'on détruise la famille, qu'on pense, qu'on bébé ça. Il y a un moment, dans le dernier temps, tant que le peuple est commis dans le motema mabé makasi. Donc, haine et mati. Nous avons dit dans Matthieu 24, 12e verset. Donc, tout le monde est mabé et qu'on s'empire de plus en plus. Parce que tout ce qui est Nathan Wasuka, papa Jérémy. Ça, c'est tellement grave et puis ça fait peur. Hein? Ça fait peur. Tu as commis la méfiance. Oui. Tu ne sais plus qui faire confiance. Oui, oui. Donc, Thérèse Amalamouté. Oui. C'est tellement dangereux. Mais alors, pour nous, propos à Koufé Lomide, oui. Alors, il y a une église dans le Congo, vous avez déjà 10 000 avant. Vous avez le logo, vous avez le bac, l'église et tout ça. Quel est votre rôle? Vous avez drainé le chômage et tout et tout. Apparemment, lui ne reconnaît pas vraiment votre impact dans la société. Voilà. Question tourning, ils ont deux volets. Et puis, il y a 5 000 fermetures. Voilà. Premier volet, cela veut dire que le premier volet, c'est que tout le monde n'est pas appelé à bâtir un ministère. Aujourd'hui, papa Jérémy,
batunyo surtout bazana ba potentialité na ba don mais mutunyo surtout aza appelé te ya ko keno fumolelo ko quelque part abani ko benga batu aza na ba capacité wana te ndengozo mona ba kofolo mide bazo profiter na eloko wana o ko remarquer ce qu'on remarquait bien na katia bible même na ndenge to sala na se don ezan na katia mutu na mutu na mutu na mutu ko kanité. Alors Dieu s'il veut, il veut établir aux à la leader au bâtir ministère à repérer son potentialité, à repérer son misu, à repérer son matoi, à repérer son puissance. Parce qu'il y a des leaders, aux la capacité à combattre, aux hommes mona spirituellement, aux yoka spirituellement et aux la puissance à coopérer, il y a délivrance et tout. Aux la capacité à bâtir ministère et Dieu va te donner des collaborateurs. Mais les loni aux hommes mona. Na kati ya wana homoni ba infiltrer ba yé, ba ba appeler bangote, ba koti. Bazo même à trouble. Nous avons remarqué même Bible, nous savons que la voix de la vérité sera calomniée à cause de ces gens-là. Il est là même, nous, nous sommes il y a des difficultés pour nous décoller. Pourquoi? Parce qu'il y a des infiltrés à côté. Et bien, nous avons commis flou, parce qu'on comprend les sociétés. Malam Ozawapi, ma bezabe. Et bien, nous avons d'autre part. Nous avons développé spiritualité pour nous discerner l'esprit. Nous avons confié nos idées, nous avons profité. Bazo kota na kati pona bato ba ye ba uti ba ye ko s'infiltrer na ba magicien ba collaborateur même ya bango ya ba kofolo mide ba s'infiltrer et lui il prend le courage de dire ça ba kanga église. Pourquoi? Parce que bango baza na mission ya ko bébé sa mboka ya ko bébé sa jeunesse ya ko détruire ba kamna nzam nde azo. Oui, il prend ce courage là. Pourquoi? Parce que raisonner mu kofolo azo lo balobi que ce qui magi kalamba na muisi mbi ba koti lo la ye pe fakote. Pourquoi? Parce que ayebi que ce sont des batuya même maison ndezo so courage wana ke bakang église il doit se repentir atika bilo kona parce que nzamba za na besoin na yi. Émission passée tout cela qui je pense il y a deux mois na lobaki vision na monaki pona yi na monaki na kata scène azo beta musique na musique silité ya bimia ke yi ba misé ba tikali public etikali. Cela veut dire quoi? Il risque de finir comme papa Wemba Kofi. Oui, il risque de finir comme papa en plein scène et il va finir très mal. Or, Dieu n'aime pas la mort des méchants. C'est le temps que Dieu lui donne, il y a qu'à se repentir et il y a qu'à menacer l'église en Zambé. Ce qui va au canabé l'église, ce qui va ventirer et tout, on ne peut pas fermer l'église de Dieu. C'est cette église qui est en train même de soutenir cette nation. L'église véritable, pas des apôtres, des magiciens. L'église véritable. Nous sommes en azo peser spirituellement et azo tenir pays à cause à prière. Néanmoins, on monnaie que même Abraham avant Zamba bomba Sodome et Gomorre, Abraham a intercédé Azaki Yemoko, mais intercédé pour les pays. Donc atiko saka en église en Zambé, sinon la colère de Dieu va tomber sur lui. Mais c'est ça le problème, pourquoi il est là, pourquoi il est infiltré. Et lui aussi, Azan a un collaborateur, il a été fait pour étouffer l'église en Zambé, parce que l'église en Zambé est en puissance pour faire des faux pasteurs, des faux miracles, des prophéties à la localisation, et il a troublé le peuple de Dieu. Pourquoi pour détruire l'église en Zambé? Or, Dieu a déjà décidé et il a dit, nous entrons dans une autre phase. Maintenant, Dieu va opérer ce qu'il a déjà dit. Voilà, voilà, ça c'est bien développer l'homme de Dieu. Je crois que bah, chrétien, bah, on a la biseau de partout. Bah, on a capté biseau 5 sur 5. Amen. Les alliés opinion à l'homme de Dieu, le prophète Guylaine Zéhi. Amen. Alors, on va avancer. Et au moins, il peut le loi avoir. Tu perds ma comédie et belé papa. Nous sommes quand même une nation. C'est la culture congolaise qui est en danger. Oui. L'année passée, on a perdu plus de 20 comédiens. C'était un record. Jamais entendu, jamais vu. Tobandi sous son boula, fais-moi couper qui n'a mal écouté la moindre. Il y a rien à voir la comédie n'a couper qui. Oh sous ce couteau, le truc qui maman Kalou a empoisonné. Et n'a aucun souci pour prophétie Monsieur Bimi. N'a aucun souci pour moi couper pour la poison. Alors, un milliard d'artistes et comédiens papa. Habité binu basako lemboka bozumu nani qu'est-ce qui se passe dans milieu wana babanaka na bambasu baliwa et comme sous ba poisson ba toiseau si la papa. Donc papa Jérémy, l'année passée Dieu m'a parlé dans voix audible, j'ai écouté la voix de Dieu. Zamba so pisangana lobi yebisa ba comédien liwa et ko frapper bango sérieusement
Pourquoi? Parce que vie bazo mené et zo pe sans zambe kanda. Nzambe a zui don a tché likolo na bango. Et bango ba zui don wana na pressé, na convoitise, na makamo ba plaisir ya mokili oyo. Ba keko simba biloko, bazo pratiquer immoralité sexuelle, Satan envoyé bango puissance moko diabolique, bazo pratiquer makama mabende yango zo mona ba liwa eza ebele kuna. Et puis jalousie côté li bango, bango na bango. Bazo ko arriver à ko se maîtriser te. Pourquoi? Parce que ba menaka vie ya malamu te. Biso tozo ba sel ensemble. Biso tozo mona ba touté bazo kene faire la perdition et tozo tala ndengwana. Non, et Dieu aussi voit. Souhait ensemble ezali bato baza malamu. Souhait ensemble ezali te bato baza ba bika loboko na ye et ba ke na vie éternelle. Yango mona azo ko alerter mais quand Dieu parle, bango bazo kansa loko ezama seki. Ane passé to annonce ki bango. Awa. Que attention. Liwa ezo kote la bino, mais bango ba mona loko ama seki. Et ça va continuer. Oh, ça va continuer. Ceux qui va se repentir te, ba luki ensemble ya solo te. La mort va continuer dans milieu na bango papa Jérémy. Ah papa. Oui, ça va continuer. Ça va continuer. Et qu'on continue. Nzamba zo benga bango la repentance ba lokelongi na Nzambe. Congo ce n'est pas n'importe quel pays. C'est une nation sainte. Donc peuple congolais, il faut se comporter lokola pays nyonso tout est. Donc quand Dieu alerte, il faut bozonga na nzela. Ceux qui bozonga na nzela te azo frapper et azo leka tina politique. Tina église. Une église, surtout une église, jusqu'au 31 décembre. Bah, on va se repentir, nous allons frapper dans ma maladie sérieusement. Comme il y a moko, tout le monde qui a mis un message pour nous. Il y a de cela, trois jours, j'ai vu ça vers 4h du matin. Il y a évêque Pascal Mukuna. Oh. Oui, je lui ai vu évêque Pascal Mukuna à un accident grave dans la Jeep. Le coup, il y a droite, et Boukani et Makila. Et la communauté na ya seka désordre total ba ko sibir ba perturbation moko ba désordre na kati na communauté na. Et Dieu est en train de parler, c'est ya bango ya ko prendre ba précaution et ya ko se repentir, sinon ceux qui va se repentir te, Dieu va passer dans la vitesse supérieure papa Jean. Oh là là, voilà, c'est terrible hein? C'est terrible. Donc biso ceux qui to zone baboué, Dieu nous a établi dans cette nation comme des sentinelles. Ézéchiel 33 verset 7, tozana bino bien-aimé dans le Seigneur jusqu'à cette mission Nzambe kokokisama. Vous allez voir les annonces, les oracles de l'Éternel. Donc jusqu'à ce que beaucoup se repentir et voir la main de Dieu. Ce qui vous se repentir te ban Nzambe, ça sera très difficile pour vous. Voilà. Voilà, pasteur Doris en Allemagne, pasteur Olivier Tabala na London City. Je veux également mon vieux Bobo Batombo et maman Lami Bekantoy na Londres. Le vieux Batom Bobo, nous sommes de cœur avec vous, sans oublier les célèbres Dienzoun de la Washington, les boss et Tchichachimbo de la Turquie. Boss et Tchichachimbo de la Turquie. En tout cas, tous en avons de cœur. Toutes les mamans, maman Claudine Louye qui nous capte religieusement depuis Kinshasa, le vieux Jean Kouketa na haut de colonne na Bundes. Soyez bénis, nous sommes là. Encore une fois, merci pour la confiance renouvelée, beau s'abonner. Partagez l'émission comme à l'accoutumée. Commentez positivement pour nous soutenir. Le numéro de mon invité est affiché au bas de vos écrans. Olingo Benga, prière, autour de la question, aux orientations. L'homme de Dieu, le prophète Guylaine Zéhi, est toujours là pour nous. Alors, merci beaucoup, nous sommes là. L'homme de Dieu, c'est vrai. Au Pessi, ma révélation. Au Talisi Makambu. Mais quand même, pour Namboka, Mikolo, nous avons le bel côté. Non, pour Namboka. Moi, je préférais tout le temps le verset Moko avant d'appeler ça message pour la nation. Dans un livre Exode, Exode chapitre 4, Exode chapitre 4, du 23e au 24e verset. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Exode chapitre 4, du 23 au 24e verset. La Bible nous dit ceci. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici je ferai périr ton fils, ton premier-né. Pendant le voyage, à un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Bien-aimé dans le Seigneur. Et là, on est dans le Koloba. Zambé, Azolo Banabiso, peuple congolais, bah, politicien congolais. Tu diras à Pharaon, les Pharaons aujourd'hui, ce sont les politiciens congolais. Ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né.
Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Papa Jérémie, Zamba Laksibiso, na katia ville à Kinshasa. La police na armée ba komi débordé pays ba botoli en bazoko ka soko défendre mboka te na katia ville ya Kinshasa. Oh. La police azoko ka soko défendre pays te. Et qu'est-ce que la police a fait à bani ko armée population? Ah, ba civil. Ah, ba nopé sa population ba nini ba instrument pour la nini ba bunde la mboka parce que ba yeko botola biso mboka. Ba di peso tamba la bozwa bo bima bo défendre mboka biso ko ka soko mboka ba botoli. Et l'esprit de Dieu m'a dit, yebi ça va continuer bino. S'il continue à s'entêter, il y aura un jour le pays sera ingouvernable. Ce qui bazoko koka ko appliquer vision zambété. Parce que Dieu est en train de parler et Dieu va donner une onction spéciale au peuple congolais pour défendre la nation. Boko lamuka tongo moko pays ezali incontrôlé. Pourquoi c'est Dieu lui-même qui va lancer cette onction là? Pays est qu'on incontrôlé. Pourquoi vous ne voulez pas appliquer la vision de Dieu? Et Dieu m'a dit de vous dire, bino bozo kanisa ke bino nde boza ba kolomboka, ke bino nde boza bokela mokili oyo. Non, il y a un Dieu créateur, le ciel de la terre, le véritable Dieu, qui s'est révélé en Jésus-Christ. Et il est en train de parler, parce qu'il a une mission avec cette nation. Bino bolin koyo ka yangote. Il y aura un jour bokola moka, et ce sera catastrophe pour vous. Et c'est le moment, il y a bino ba sal, il y a bino ba politicien congolais, bo se repentir, bozo nge l'ensemble. Et appliquer la vision de Dieu. Pourquoi le balélo présente ce que d'Azali à Rosala naïe à l'équipe. Mais un jour, bino ba policier congolais, beaucoup Sibir, Makambo et Pharaon à Sibisaki devant Moïse. Papa Jérémy. Avec Jésus, tout est possible. Voilà, ça c'est très bien pour nos politiciens parce que Mboko Tambola toujours na ba leader. Oui. Bango ne va censé rouper sa vision pour l'écolo. Tout à l'heure dans une communication. Portez par là mon gouvernement a dit que dans l'année prochaine, l'année scolaire prochaine, primaire et zone gratuite. C'est une bonne chose. Et ça, ma kamala, mon bazo sale. Mais ce qui est plus fort, le pays n'est pas dirigé selon la volonté de Dieu. Néanmoins, au moins, le président Tshisekedi dit à quoi ça la ma cassignon soit quoi au sala, mais à quoi copé sa congolais s'est voté. Pourquoi? Parce que à zo sala, on s'en va l'ingité. On s'en va l'ingité, bango, c'est pour cela, zo avertir bango. Et quelque part, la puissance où ils allaient qui larguait dans Pharaon, il y a un durcissement de cœur. Oh, Moïse lui a frappé par 10 plaies. Puissance où ils allaient qui bango. Mais nous disons, na bakonzi na biso, ete, boyoka mongongo na zambe. Arrêtez de détourner l'argent. Il y a peuple congolais. Peuple congolais, azo souffrir, et bozo zwamboka, bozo kabela bapaya. Zamba le bina bino, na mindelo bazo konza bino, ba prendre bino en otage. Il faut cesser de collaborer avec eux. Parce que Dieu lui-même va vous doter de sa puissance. Alors, aux alliés parents responsables, leaders d'opinion, serviteurs de Dieu, quand même, les camotels, ils peuvent jeunesse, papa, tout le monde, ouais. Oui, oui. L'osomona, presque. Bana, bazo, rassou, babo, tite. Bana, impolitesse, tétutesse, bah, c'est livré plus dans ma plaisir sexuel qu'indumba et autres. L'église. C'est ça là où l'église a failli. Na makamunyo sona uti koloba responsabilité zo tombé na église. Zambabe église est faible à cause de idolâtrie, haine na kati na batu na zambe, jalousie na kati na batu na zambe, polémique. Bazui peuple ba commencé bango donc otage. Donc ceux qui azate peuple a kosola na zambe te. Ba kangi peuple en otage. Or l'Esprit Saint quand tu reçois le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, automatiquement tu as la communication avec Dieu et orienté peine à vous diriger. Même si les hommes de Dieu ont l'onction spéciale, ceux qui sont appelés, battons sur tout. Mais vous êtes appelés à parler avec Dieu directement par la prière. Donc l'église est faillir dans la mission. Ma puissance, on a papa Jérémie, dans Satan lance ça. Pourquoi? Aïbi que jeunesse, c'est ça, relève à l'obi. Alors, à Lucas jeunesse, on a. Vraiment, c'est triste. C'est triste comment on a banné la bise au Léon à Nenge bazo tambola classe bazo tanga te donc bana l'église ba liko sambela te donc c'est vraiment regrettable yango tozo bon de l'ensemble et puissance so ya également puissance so ça lancé par Satan zamba longola yango pour être jeunesse oyo et ça la mission dans Zambe pour la gloire de Dieu papa Jérémy. Alors comment gérez-vous vos fidèles dans l'église?
pour moi, je suis en condamné d'autres. Aux arena, je suis en train. Non, tu es condamné à l'arrêté. Ce sont des serviteurs. Aux hommes, hein, baza ba serviteur ensemble. Baza, Dieu m'a donné batouana comme ba collaborateur, mais nous tous nous servons Dieu. Nous avons un simple représentant, un simple mouton zambatier pour gérer. Nous avons un colon en haut. Mais je peux escroquer, je me dis quand même. Pourquoi escroquer? Non. Dieu nous a dit quoi? Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. On se comprend, papa Jérémy. On a un bon côté pour l'accent mouton zambé ou bien l'accent mouton zéla. Non. Et la parole de Dieu nous dit encore, tout ouvrier mérite son salaire. Mon consolation Jésus-Christ a fouta gabiso. Yoko semble pas na mutu lelo boye ou l'accent mutu nzela nzambe a pesé le côté, mais Dieu va te payer quelque part. Lelo ko bat ma bousa naga. Au moins na muta benyo pour bosambe la, yoba no singe mbongo. Ozo mon aga keno mutu nga son a raté pané na osa soute. Non! Salam ou salam na yo, Dieu est capable de payer autrement. Ou lelo ke nous se déranger, on se souye na osa nga batumbongo. Papa Jéré. Non, c'est ça le problème où vraiment ils ont détruit Moussa Lazam. Voilà, ça dépend aussi de la conscience. De la conscience, c'est ça. Et bon. De la crainte de Dieu. Parce que Batmoussou a été en train d'opérer. A ça, l'expérience, il y a eu des expériences, il y a eu des gens qui ont été en train de se faire. Lui, il croit que Dieu ne voit pas. A escroqué Moutou. Net Moussou, maman, moko na Londres, na Allemagne, DC, ba benginga ba esinga papa. Moussa Lazam, il y a eu des gens qui ont prié à son linga biso. Mais t'as la bilo qu'on est. Voilà, il est là toujours la cima, basi pour la nini, à cause de chéri, c'est pour la voyibambon. C'est terrible. C'est terrible, papa chéri. Voilà, merci beaucoup, ba congolais, tout bon la mitema, tout le naïsou, tout homme est faillible, c'est vrai, mais quand même, tout dosé peu dose qui monte ma bé. C'est ça le problème. Empoisonnement, bambassou, ba sida, ba cancer, bois que là. Nous sommes tel peuple comme ça. Alors qu'il y a plusieurs églises, tout l'ingana nzambe na mbokoyo, mais toujours changé. C'est terrible. Tout bon la mitema, tout l'ingana. Ça fait très mal. Tant sur la confesse, même pas ba petit, même pas ba ndeko, donc on ne sait plus. Parce que ma gomme bimima. Voilà, ça fait mal. Alors, restons ensemble pour de vrai. L'homme de Dieu, je vous laisse un minimum de temps. Oh, pèse un message d'espoir na bandekoyo. Bazala bitumba. Les vieux hommes, ils ont marché, ils ont fait un blocage, ils ont fait la santé. Oui, ça. Ils ont victime de maladie, ils ont fait un peu spirituel. Donc, ils ont fait perdre même espoir de vie. Mais bongo, s'il faut le déclarer pour la bango, tout l'endi sa bango, exhorter bango, ça serait mieux même dans 5-10 minutes. Oh, sur la bande de bongo, on peut son numéro en contact. Oui. Et c'est par là que nous allons nous séparer. Ok, papa Jérémy. Donc, avant, on a le bas, et on a fait un message message. Ce qui a Hollande biso papa Boketchu. Oui, nazaye ko regarder vidéo na yemoko. Tant on a zota la vidéo wana, la voix de Dieu m'a dit quoi? Abi yebi saye. Il risque de passer les moments les plus sombres de sa vie. Il doit chercher la face de l'Éternel. Azonge l'ensemble combat na ye amené en selon la parole de Dieu et non ya ko s'ingérer na ba vie ya batu. C'est ce que Dieu m'a dit. Zonge l'ensemble mener comment comme l'onction de Dieu te conduit, mais zala prudent parce que tu risques de passer des moments les plus sombres de ta vie. C'est ce que Dieu m'a dit, na transmettre avec beaucoup de respect et considération, papa. Na bana nzambe o bazola na biso. Na ni ko ebsa mutu moko, conscience ya mutu moko ko réveiller, conscience ya mutu moko azola na nga papa moko to mama moko, ndeko moko ya mwasi ya mobali. Et Nzambe soki atini mutu na sena moi, c'est pour accomplir une mission. Et quand Dieu t'envoie ici sur terre, il t'envoie avec ta provision. Ako peso na provision na yo. Et ça comme tu as voyagé. Na bato ba voyage, na nzela matai ditina na poto na bato na pesi ba ngombote. Nde bazao kota kala na se, tant to soka masolo. Ba kote na se a bato. Omona bazi kwanga na bango na ba nguba na bango batuti, ba tien na se. Pourquoi? Parce que na bi voyage ko so bango tant. Quand on est à parcours et à voyage, il faut te préparer provision na biso. Pour te zala kimia toko mamalam. Pareil avec Dieu. Dieu, quand il envoie quelqu'un ici sur terre, à côté, on a provision na yo. Et provision, on les a confisqués. Pourquoi? Parce qu'il y a des forces diaboliques qui opèrent, bien aimé dans le Seigneur. Dieu opère dans les quatre dimensions diaboliques. Première dimension, ils ont idolâtrie, immoralité sexuelle, pratiquer le sexe avant le mariage. Où tu es dans les mariages, tu es en train de prendre des femmes ou des maris en dehors des mariages. C'est ça ce qu'on appelle l'immoralité sexuelle. Oyekozwa, pratique esclavage. Oyekozwa,
esprit de religion. Bien aimé dans le Seigneur, les quatre forces que le diable utilise pour nous arracher notre provision. Et les autres, tellement, tu commences dans le parcours, dans la provision est à te. Tu es là. Malade est côté, ma passe est côté, problème est côté. Bien aimé dans le Seigneur, na lingi ko rassurer ndeko moko et nzambe atinyo na sena moi pour être onyo kwa mate. C'est pour accomplir ta mission selon la volonté de Dieu, parce que chacun de nous a une mission. Dans la nouvelle alliance otozana yango, tout le monde est sacrificateur selon les dons et la mission que Dieu t'a donné. Et na katinelo ko wana provision yon se zali. Ya liboso kaka yamba yo soko na mokonzi pe mobiki sina. Automatiquement, tu vas tomber dans Colossiens 1, chapitre 12. Bien aimé dans les séries, on possède l'héritage. On remarque Joseph, dans Genèse, chapitre 37, a coûté un peu de temps. Pourquoi? Parce qu'il y a une quantité de provisions. Il y a une quantité de provisions. Il y a une réserve pour Israël, Mobimba. Pour Nzala, même pour l'Égypte. Il y a une provision à battre. Il était combattu par ses frères. À cause de la puissance de la sorcellerie, par la jalousie, et lui-même a ouvert des portes par les informations. Il a informé Bande Konaye, songe à Zozoa, et le diable a profité de l'information, a inculqué la puissance à la sorcellerie pour te faire un peu de temps. Bien aimé dans le Seigneur, provision à Ezali. Et pas un ensemble, santé à Ezali. Et pas un ensemble, kimia à Ezali. Et pas un ensemble, héritage à Ezali. Yamba yesu lokola mokozi pe mobiki sinayo. Romains 19. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Oko posséder héritage nayo par la crainte de Dieu en recherchant la paix avec tous et la sanctification. Vous allez voir la main de Dieu dans votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur. Et nous, Dieu nous a oint par sa puissance pour annoncer la bonne nouvelle et libérer les captifs. On est là à votre service. Que Dieu vous bénisse. Zamba Simba, papa moko aza ko bela, maman moko aza na ba problème. Bana moko baza tourmenté par des démons et consorts. Zambe asimba bino par sa main puissante, parce que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver et ni son oreille très dure pour vous entendre. Bien-aimé dans le Seigneur, que la paix de Dieu est comblée bino bisika nyonso bozali na misala na bandaku na bino bisika nyonso bokolanda bino et que la puissance du Saint-Esprit est visitée bino. Numéro Nabis Ezali, plus 243 85 18 55 709. Plus 243 85 18 55 709. Que le Seigneur Dieu vous bénisse tous. Au nom de Jésus-Christ.